Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne fête des mères à toutes les mères. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Peut-être que tu l'as déjà entendu, peut-être que tu le sais déjà, mais la répétition, c'est la mère de science. Je voudrais te dire une chose. Reste focalisé sur ton objectif. Reste focalisé sur ton but. Les choses se compliquent, les choses ne marchent pas, mais reste toujours focalisé. La vie ne sera jamais facile. Elle n'a jamais été facile pour personne dans ce monde. Elle n'a jamais été facile pour tous ces gens que tu connais qui ont réussi. La vie sera toujours dure. La vie sera toujours remplie de complications. Il y aura toujours des complications. Il y aura toujours des situations à laquelle tu n'arriveras pas à gérer. Mais que ces choses ne te poussent pas à renoncer à ton but, à renoncer à ton objectif. La vie n'a jamais été facile pour personne. Et il y a un proverbe qui dit, lorsqu'il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent. Ce qui ne te tue pas te rend têtu, te rend plus fort. Plus fort. Ce qui veut dire que tes problèmes ne sont pas là pour te tuer. Les problèmes ne viendront pas pour te tuer. Parce que lorsqu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a déjà une solution. Tout problème a une solution. N'abandonne pas ton objectif à cause des problèmes, à cause des situations difficiles, à cause des choses qui ne marchent pas telles que tu l'avais programmé. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça pour tout le monde. Mais les gens qui ont réussi n'ont jamais abandonné. N'ont jamais abandonné. La vie a un prix à payer. La réussite a un prix à payer. Et l'échec aussi a un prix à payer. Plus coûteux que la réussite. Il y a un philosophe qui a dit, John Maxwell, qui a dit, la vie te demandera deux choses. Payer le prix aujourd'hui, eux t'amuser demain, ou t'amuser aujourd'hui, eux payer le prix demain. Mais dans tous les deux cas, tu paieras un prix. Tu paieras toujours le prix pour ta réussite. Tu paieras aussi le prix pour ton échec. Si tu abandonnes trop tôt, tu vas décevoir tous ces gens qui espèrent en toi. Il y a des gens que tu inspires, mais que tu ne connais pas. Il y a des gens qui t'observent, qui se disent que si toi tu réussis, eux aussi peuvent réussir. Je te l'ai dit. Si tu abandonnes trop tôt, tu vas décevoir tous ceux-là qui espèrent en toi. Pense à ces gens-là. Pense à ces gens qui t'aiment. Pense à ces gens qui croient en toi. Et pense aussi à ces gens qui se disent que tu ne réussiras pas, que tu vas échouer. Pense à tous ces gens qui prient pour que tu échoues. Parce qu'il y a des gens qui prient pour que tu échoues. Il y a des gens qui pleurent pour que tu échoues. Il y a des gens qui attendent que tu échoues pour qu'ils puissent ouvrir des champagnes. Pense aussi à eux et pense aussi à ceux-là qui croient en toi, qui se disent, il va réussir. Et s'il réussit, c'est que nous aussi, on peut réussir. La vie sera toujours compliquée. Mais ce n'est pas la raison pour que tu puisses abandonner ton objectif. N'abandonne pas ton objectif à cause du corona, à cause du confinement. Tout ce que tu as prévu de faire en cette année, fais-le. Fais-le. Tout ce que tu as prévu de faire en cette année, fais-le. N'abandonne rien du tout. Ceux qui ont vu, ceux qui ont regardé la série Prison Break, ont vu la détermination qu'avait Michael Scofield. Il avait un plan, un objectif de faire sortir son frère de la prison. Il s'est tatoué son plan. Le plan A, plan B, plan C, quand les choses tourneront mal, tout. Il a tout planifié. Mais lorsqu'il est arrivé en prison, il a vu des problèmes qu'il n'avait même pas planifiés, qu'il n'avait même pas pensé. Il a voulu craquer. Même son frère le disait. Abandonne. Tu as tout fait. Tu as beaucoup. Tu as fait beaucoup pour moi. Mais abandonne. Abandonne. Il a dit, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Je n'ai pas risqué ma vie pour rien du tout. N'abandonne pas. Tu n'as pas tout risqué pour rien du tout. Tu n'es pas arrivé jusque-là pour abandonner. Non. Regarde le chemin que tu as fait. Regarde derrière, là où tu étais et là où tu es aujourd'hui. Tu as fait déjà un long chemin. Ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas en chemin. N'abandonne pas. Les gens te donneront même des bons conseils d'abandonner parce que c'est dur, parce qu'ils ne veulent pas te voir souffrir. Mais laisse-moi te dire, sans souffrance, personne ne grandit. Sans souffrance, personne ne réussit. Un enfant pour venir au monde, il y a une personne qui doit souffrir, pleurer. Et lui, il viendra au monde. Rien ne vient par hasard. Et rien ne vient dans la facilité. Si toi et moi, pour venir dans ce monde, une personne a dû pleurer, a dû supporter des douleurs pour que toi tu puisses venir dans ce monde. Rien ne sera facile. Rien ne sera facile.
supporte les douleurs comme la femme qui supporte les douleurs pour voir son enfant venir au monde. Supporte les souffrances, supporte les douleurs, supporte tout. N'abandonne pas, même si c'est difficile. Tiens le dent, tiens le dent. Serre les dents, serre les dents. N'abandonne pas, n'abandonne pas. La Bible même le dit dans Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et le flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que tu marcheras dans le feu. Tu traverseras les eaux. Même la Bible le dit déjà. Tu traverseras les eaux. Tu marcheras dans le feu. Mais le feu ne te brûlera pas. Oh Seigneur, les feux ne te brûlera pas. Les eaux ne te submergeront pas. Parce que les problèmes en soi ne viennent pas pour nous tuer. Parce que s'il y a un problème, c'est qu'il y a déjà une solution. La solution existe avant le problème. Oh my God. La solution existe avant ton problème. S'il y a un problème, c'est qu'il y a déjà une solution. Mais le problème, c'est toi. N'abandonne pas. Il y a des gens qui croient en toi. N'abandonne pas. Si la vie était facile, tout le monde allait réussir. Tout le monde allait réussir. Mais ceux qui réussissent, c'est des gens qui n'abandonnent pas. N'abandonne rien du tout. Reste focalisé sur ton but, sur ton objectif. Poursuis ton but, poursuis ton objectif, même si c'est dur. Je te le dis, pour que tu viennes au monde, une femme doit supporter les douleurs, doit pleurer pour que tu sors, doit serrer les dents. Et tu penses que tu peux réussir facilement? Et tu penses que tout sera rose pour toi? Non. Supporte les épines. Et n'écoute pas les conseils de tout le monde. Les gens viendront pour te décourager. Les problèmes viendront pour te décourager, pour te délocaliser, pour que tu enlèves tes yeux sur ton objectif. Reste focalisé sur ton objectif. C'est comme ça que tu vas réussir. Tu ne réussiras pas par des pleurs. Tu ne réussiras pas par des lamentations. Tu ne réussiras pas parce que tu as trop de soucis. Mais tu réussiras parce que tu acceptes de continuer, de poursuivre ton but et de ne pas abandonner. Même Jésus, sa vie n'a pas été facile. Sa vie n'a pas été facile. Mais il n'a pas abandonné. Parce que son but, c'était la croix. C'était la croix. Même lorsque Jésus a dit, le Fils de l'homme doit mourir, mais après 3 jours, il ressuscitera. Pierre a dit, non, 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 ça ne peut pas se faire. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Pierre était généreux. Il avait des soucis pour Jésus parce qu'il aimait. Mais ses conseils allaient empêcher Jésus d'atteindre la croix, qui était son objectif. Certains conseils t'empêcheront d'atteindre ton objectif. Certains conseils t'empêcheront d'aller de l'avant. Reste focalisé. Les problèmes viennent te distraire. Ne te laisse pas distraire. Une distraction d'une minute peut te faire perdre une gloire de 10 ans. Ne te laisse pas distraire par des problèmes. Reste focalisé. Par des situations. Non, 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 non. Ne regarde pas ce confinement. Reste focalisé. Ce que tu as prévu de faire en février, que tu n'as pas pu le faire, fais-le en mai. Ce que tu as prévu de faire en avril, que tu n'as pas pu le faire, fais-le en juin. En juillet, en août, en septembre, mais rassure-toi de faire ce que tu as prévu de faire en cette année. Une personne peut t'aider à le faire, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, si tu marches, si tu traverses les eaux, ils ne te submergeront pas parce que je suis moi-même avec toi. Jésus est avec toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde parce qu'il a vaincu le monde. Mais personne ne voit celui qui est en toi. Les gens voient toi. Parce que toi et celui qui est en toi, vous faites une personne. Vous formez une personne. Donc toi, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Toi, tu es plus grand que tes problèmes. Tu es plus grand que toutes les situations du monde entier. Tu es plus grand que tous les sorciers de ton village réunis. Tu es plus grand que celui qui est dans le monde. N'abandonne pas pour décevoir Jésus-Christ qui est en toi. Jésus-Christ dont tu as cru. Jésus-Christ dont tu témoignes. Il te faut un témoignage. Tu dois témoigner. Alors, n'abandonne pas. Reste focalisé
sur ton objectif et crois en Dieu de tout ton cœur, peu importe tes problèmes. Il a vaincu le monde, il t'aidera à vaincre le monde. Il a vaincu tes problèmes, il t'aidera à vaincre tes problèmes. Il a vaincu tout obstacle, il t'aidera à vaincre les obstacles de ta vie. Si tu abandonnes, tu vas le décevoir parce qu'il est en toi, parce que tu l'as reçu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, reçois-le, parce que c'est lui qui a vaincu le monde. Et c'est grâce à lui que tu réussiras. Tu ne réussiras pas par toi-même. Tu ne réussiras pas par tes propres forces. La Bible dit, mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Tu ne réussiras pas par toi-même. Tu réussiras grâce à lui qui te donnera la force de réussir. Alors, n'abandonne pas. Deux choses, reste focalisé et crois en Dieu et tu réussiras. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement. Ciao.